Salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouvel événement de saison de The Division, Polarité Switch, le changement de polarité. Alors, on va voir, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est. Voilà, alors 0 sur 14, donc tu dois avoir 14 ouvrir. Activité, pour participer à un événement mondial, vous devez l'activer. Vous pouvez activer et désactiver votre participation à un événement mondial depuis ce menu. Si vous vous trouvez dans une zone sûre, appuyez sur X pour activer l'événement mondial. Activé. Très bien, je suis en train de l'activer. Chaque événement mondial dispose d'un système de défis quotidiens à accomplir et de récompenses uniques à gagner. Ok. Il y a 10 récompenses au total à récupérer. Appuyez sur A pour voir et récupérer votre première récompense. Ok, magnétique. Une fois que vous avez accompli assez de défis, vous pouvez obtenir de nouvelles récompenses. La première récompense est disponible maintenant. Appuyez sur X pour l'obtenir. Ouais, c'est un patch pour le truc. Ça, c'est polariste, d'accord. Alors, une fois que vous avez accompli assez de défis, vous pouvez obtenir de nouvelles récompenses. Bon, ça, c'est bon. Ok. Les récompenses non récupérées sont disponibles ici jusqu'à la fin de l'événement mondial, après quoi elles sont placées dans votre boîte de réception. Alors, attendez, on va voir déjà les récompenses. Est-ce que c'est comme... Voilà, donc il faut atteindre 9. Et si vous atteignez 9, vous avez une cache exotique. Bon, vous vous doutez que quand j'aurai fait mes vidéos, on va faire l'événement mondial pour avoir la cache exotique. Et là, j'espère par contre que je ne vais pas me faire niquer comme la dernière fois, hein. Parce que j'ai vu toutes les vidéos sur YouTube, tout le monde, ils ont eu un exotique Godroll, c'est-à-dire avec toutes les stats à fond. Moi, j'ai eu Liberté, il était claqué au sol, d'accord. Donc ça va, hein, ça va chier si ça marche pas, hein. Donc voilà. Donc bon, les récompenses, c'est à peu près les mêmes. Voilà, donc on vise la cache exotique. Alors, les défis. Jour 1, donc c'est sur 4 jours, donc va falloir farmer. Éliminer des ennemis à la polarité positive, éliminer des ennemis à la polarité négative avec des headshots, ok. Éliminer des ennemis à polarité négative quand le buff de dégâts de polarité est activé, ok. Changer la polarité des équipes ennemies. Éliminer des ennemis à polarité positive quand ils sont en feu. Mener à bien n'importe quelle mission principale en mode difficile, bon... Ah ouais, d'accord, c'est ardu quand même, il y a du truc à faire, hein. Pouh, il y a des trucs à faire, sans déconner. Ah ouais, 5 étoiles, donc c'est-à-dire que là, jour 1, vous pouvez avoir jusqu'à 7... alors, attends, 7, 9, 11, 13, 14, 14 étoiles. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous réussissez aujourd'hui, 5, 10... 15, vous serez à peu près à la cache numéro 4 aujourd'hui si vous réussissez toutes les récompenses. Ah bah falloir jouer quand même, hein. Ah ouais, ça va être ardu, hein. Ah ouais, ça va pas rigoler longtemps. Ok. Ah putain, il y a du travail, hein. Il y a beaucoup de travail. Et après la Ligue Westside, elle continue encore, si je dis pas de bêtises, une semaine de plus. Donc c'est à dire qu'on... Et on peut faire la Ligue Westside en plus, les amis. C'est-à-dire que je peux avoir deux caches exo... Ah non. Non, je me suis emballé. Ils ont tout remis à zéro. Donc, en fait, si je tue les parias, ça me permettra plutôt d'avoir d'avoir le logo. D'accord, ok. Non, je me suis emballé. En fait, on peut avoir qu'une cache, ok. Bon. Et bien voilà, c'était une petite présentation assez rapide et assez courte du Polarity Switch. J'espère que ça vous hype autant que moi. Dès que j'aurai fini mes vidéos, on sera en live pour vous présenter l'événement in-game. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à clocher pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos, ça m'aide énormément. Partagez-les également en même temps que ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée et comme d'habitude, je vous dis ciao.